John Cordick a barbouillé la feuille de pointage hier soir. Trois pénalités majeures et autant de mineurs. En tout, 21 minutes au banc de punition. Le haut fait de Cordick a été le violent combat qu'il a livré à Lyle O'Dolan. Selon Cordick, le numéro 24 du Canadien l'a surpris par derrière. Les deux se reverront. Maybe it's the only way he thought he had enough chance to beat me. So, I'll get him. I'll remember that. Les dirigeants des Nordiques ont donné une chance à Big John, mais ses agissements sont scrutés à la loupe. On espère que son arrivée à Québec permettra aux joueurs de se sentir plus à l'aise sur la glace. Il peut être une distraction pour l'adversaire. Donc, il faut continuer à travailler, développer son conditionnement et développer ses habiletés. Cordick est conscient que cette chance avec les Nordiques est sa dernière dans la Ligue nationale. Quebec's given me another chance, and I'm going to do everything I can to make the organization happy for what I'm doing for them. And in my own little way, say thanks to Pierre and the organization for giving me another chance. Les Nordiques ont indiqué que le robuste attaquant devra subir de façon quotidienne des tests de dépistage d'alcool. Mais tout le monde s'entend pour dire que son pire ennemi, c'est lui-même, et que s'il peut se contenter de boire de l'eau, il peut devenir un membre important de l'équipe. Contre un, Skrudlund et Carbonneau ont observé la scène. Un combat furieux a éclaté en fin de deuxième entre John Cordick et Lyle O'Dolan. Les échanges solides de part et d'autre ont été nombreux et pour les amateurs de démonstrations en ville semblable, le combat a été égal. 3-2 Montréal après deux périodes de jeu. Shane Corson. Par ailleurs, trois durs à cuire sont toujours à Québec. De ce nombre, on retrouve évidemment John Cordick qui a disputé samedi au Forum son premier match dans l'uniforme du Fleur de Lys. L'ancien joueur du tricolore a mis le paquet pour impressionner ses patrons et ainsi demeurer dans la vieille capitale.